accueillir maintenant Vanessa Lugaz pour la démarche de co-construction du plan de développement de la lecture publique, justement à Savoie-Biblio. Voilà. C'est parti. C'est parti, voilà, je ne vous voyais plus. Faut juste que je partage mon écran. Bon, vous voyez? Oui, très bien, ouais. Donc, bonjour à tous, merci pour toutes vos présentations. Pour ma part, je suis sûre que l'heure du compte vous a manqué récemment. Donc, je vais vous compter aujourd'hui le tour du plan lecture en 274 jours. Une aventure innovante au cœur de l'intelligence collective et de la co-construction. Donc, non pas en 1 heure, mais en 10 minutes. Ainsi, je ne vous lirai que 2 chapitres. Donc, embarquons ensemble pour cette croisière sous le soleil, si vous le voulez bien. Le point de départ, me direz-vous, eh bien, c'est l'île des lieux de lecture de Savoie-Biblio et du cabinet KPMG Inéis. La diversité fait la force et chaque lieu de lecture a été invité à faire un diagnostic en établissant les plus, les moins du plan actuel, mais aussi de leurs besoins. Donc, tous ces outils ont été embarqués à bord du navire pour poursuivre le voyage. Donc, prochaine destination, l'île numéro 1, à l'abordage, mais pas à l'abordage. Donc, dans un premier temps, nous avons constitué une équipe, il y a eu un appel à volontaires et il y a une équipe de 13 marins qui s'est constituée, 13 marins volontaires qui constitueront les animateurs d'une journée qui se passera sur l'île numéro 2 et qui seront chargés de guider ces habitants de l'île numéro 2 dans la contribution collaborative du plan lecture. Donc, la première étape, ça a été celle de faire les bagages. Donc, ces 13 marins, ensemble, ont suivi une formation par le capitaine du bateau. Nous avons constitué aussi une culture commune en réfléchissant à qu'est-ce qui nous fédérait et qu'est-ce qui nous réunissait à ce moment-là. Nous avons élaboré également une charte d'engagement des animatrices. On a fait un gros travail de tri du diagnostic où on en a extrait 3 grandes ambitions, ce qui est un peu l'ossature, 3 ambitions où on souhaiterait que ce soit l'ossature, une ébauche d'ossature du plan lecture. Et c'est le socle de travail pour les agents de Savoie-Biblio lors de cette journée de co-construction. Et enfin, nous avons fait un filage. Un filage, c'est un guide chronométré de la journée. La deuxième étape a été de faire une étude de navigabilité. Puisque pour prendre la mer, il faut d'abord analyser les vents. Donc, ce sont les éléments qui nous portent. Donc, à savoir, donc, je vous l'ai dit, une équipe de 13 personnes, 13 agents, une équipe du coup volontaire, dont les missions sont toutes différentes, les fonctions également, mais aussi leur personnalité. On avait des capitaines du navire qui étaient prêts à faire confiance aux compétences de chacun et aussi confiance dans la démarche innovante que nous engagions et des élus qui étaient partie prenante également de cette démarche. Il y a des récifs, donc c'est en gros ce qui pouvait nous freiner dans cette démarche. Le tout est de pouvoir analyser ces récifs et de pouvoir les transformer en force si nous en avons la possibilité. Donc, le premier récif, vous l'imaginez bien, ça a été le Covid. Comment se réunir à 13 et à co-construire des choses
quand on ne peut pas fonctionner comme on le souhaiterait. On doit surtout construire ce plan lecture à budget constant. On a une multiplicité également de lieux de lecture et de configuration, et on doit construire une offre de services qui corresponde à chaque besoin spécifique des lieux de lecture. Et le dernier récif, on a un fonctionnement, donc Savoie et Haute-Savoie, avec 5 centres, mais 5 fonctionnements également différents, 5 fonctionnements notamment dans les moyens humains. Nous avons analysé nos forces. Donc nos forces, comme on vous l'a dit, hein, c'est cette malle à outils très solide qu'on a pu constituer, enfin on l'espère très solide, et puis un diagnostic co-construit au plus près des besoins des lieux de lecture qui sont nos usagers au niveau de la bibliothèque départementale. Par contre, trop loin à un moment donné, on a vu des nuages qui s'obscurcissaient et qui pouvaient potentiellement être menaçants. On s'est demandé pourquoi ils étaient là et qu'est-ce qu'ils représentaient. On a pensé qu'ils étaient liés plutôt aux craintes liées au changement. On a essayé de mettre en mots ces questions pour pouvoir mieux les analyser. Quels sont finalement, on s'est interrogé sur quels risques nous prenions à pouvoir mettre en place cette démarche innovante. Est-ce que la menace était vraiment réelle? Quelle était la place du droit à l'erreur de ces animatrices durant cette journée? Et puis, on s'est dit dans ce groupe que nous avions confiance en nos marins, dans nos capitaines, et également confiance dans le matériel que nous avions pu créer. Donc on s'est dit en route pour l'île numéro 2. Donc, tous à bord, la croisière s'amuse. Donc, débarquement sur l'île peuplée de l'ensemble des agents de Savoie Biblio. Et pour favoriser la créativité en intelligence collective, les animatrices ont organisé la journée sous le prisme de quatre principes assez importants. En numéro un, vous le voyez, c'est la convivialité. Donc, on a accueilli l'ensemble de l'équipe autour d'un petit-déj d'accueil. Et puis, on a mis sur l'ensemble des tables des bonbons à gogo. Donc, c'est bien, le sucre rassure. Donc, quand on travaille, on doit produire. C'est parfois rassurant d'aller piocher dans le bac à bonbons. Et on a également partagé un repas de midi en commun. Le deuxième principe très important pour nous est celui de la cohésion d'équipe. Et on a réparti les agents en groupe aléatoire. Sans hiérarchie aucune. Donc, il y avait des membres de la direction, des membres de l'administration, des membres bibliothécaires, etc. Donc, quelle que soit la fonction, chacun était réuni dans ses groupes et on leur a donné aussi 5 règles de cadre de l'intelligence collective. Le troisième principe, c'est celui du dynamisme. On a proposé... Les autres, je les ai redonnés tout à l'heure. On a proposé donc du coup sur différents temps un ensemble de jeux dynamiques favorisant la créativité par la stimulation de notre cerveau, mais aussi la cohésion de groupe. Donc il y a eu des brise-glace et aussi un brise-sieste. Donc là, c'est plus sous forme de challenge. On a dû construire par groupe la tour en spaghetti la plus haute en essayant d'y apposer un marshmallow au-dessus et le tout devant tenir. Donc, les équipes ont fait force de beaucoup d'imagination dans ce moment-là. Et puis, ce n'est pas le tout d'être ludique. Il faut à un moment donné passer au travail. Donc, plus sur la phase de créativité. Donc, on a eu une première phase de divergence. La phase de divergence, c'est une phase où le but du jeu est de produire un maximum d'idées. Partout autour des trois ambitions qui ont été issues du diagnostic. Donc, vous entendrez par là surtout la production de post-it à gogo
L'idée, c'est de n'avoir aucune contrainte. Et on a utilisé la métaphore du bateau, là encore, du speedboat, avec les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces, comme celui que je vous ai présenté avant. Et plusieurs étapes de convergence, puisque là, quand on a produit énormément, après, il est important de trier nos idées et de recentrer. Donc, en un, on a proposé par groupe, aux agents, de travailler autour d'une étoile de mer et de classer les idées par les items que vous pouvez voir là. Donc, on fait plus d'heures, on fait moins d'heures, on arrête, on continue, on tente. Il y a eu une autre phase qu'on appellera plus une phase de gométocratie, donc là, une phase individuelle, armée de quelques gommettes. Les agents sont allés choisir et mettre des gommettes là où les idées leur parlaient le plus. Et on a pris ensuite des post-it qui avaient regroupé le plus de gommettes et on a fait travailler à nouveau en groupe, le groupe en mode projet. C'est ce qui nous donne un peu une base de travail pour la suite. Et donc là, dans la co-construction et de collaboration, il y a un rapporteur par équipe qui a été désigné pour faire un retour à l'ensemble de nos équipes. Donc à ce jour, le voyage n'est pas terminé. Le navire a quitté l'île numéro 2 pour poursuivre le voyage en direction de l'île numéro 3. Toute la production a donné lieu à 9 groupes de travail animés par les membres du comité technique et les marins animateurs expressément invités à rejoindre l'équipage d'élite temporaire. Les groupes de travail ont été construits de la même manière, donc un brise-glace, une phase de divergence, une phase de convergence, dans laquelle on a pu créer une trentaine de fiches actions qui aujourd'hui sont travaillées par les membres de la direction. Et les outils de créativité en intelligence collective font aujourd'hui partie intégrante de nos mâles. Nous nous en servons petit à petit dans nos réunions d'équipe, mais également sur les territoires et les équipes des lieux de lecture pour accompagner le développement de la lecture publique. Voilà, je vous remercie de votre attention et je remercie également Aurélie Bertrand qui est parmi nous et qui a construit le PowerPoint avec mes super jolis dessins. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Vanessa, c'était une belle présentation poétique. Alors, je ne sais pas si on a des questions parce que parfois elles n'arrivent pas en direct, donc je ne les vois pas forcément. Lisa, est-ce que tu as eu des questions de ton côté ? Non, pas de mon côté. Bon, je pense que de toute façon, comme tout à l'heure, le dialogue est instauré, donc s'il y a des questions, je pense que les collègues n'hésiteront pas à vous contacter.